Yo tout le monde, ici Badge, une nouvelle vidéo sur Warframe. Donc c'est un jeu que j'ai joué il y a très 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 longtemps. Donc je voulais juste tout simplement vous le faire partager. Peut-être donner des petites astuces ou pour ceux qui découvrent le jeu, si ça leur plaît. Voilà, écoutez, tant mieux. C'est un jeu assez intéressant. Donc on peut dire, bon, c'est comme des ninjas de l'espace, hein. Pareil, rigolo, mais bon, c'est comme ça. C'est un jeu qui est, je trouve, sympa à découvrir. Il y a énormément de choses à faire. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. C'est un jeu qui est gratuit. Donc, vous pouvez le trouver sur Xbox Store. C'est très facile à télécharger. Voilà. Il y a énormément de missions à faire. C'est un jeu qui est très complet. Bon, après, ce qui peut paraître un peu difficile, c'est mettre les mods. Donc, après, ça s'apprend. C'est assez facile à faire. Donc, voilà. Alors, vous avez pas mal de warframes. Donc, on commence à choisir particulièrement. Bon, je vais vous les montrer, ça sera plus simple. Facile, vous allez sur Codex dans votre vaisseau, bien sûr, quand vous l'aurez débloqué, tout simplement. Et vous aurez plusieurs types de warframes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de warframes. Sans parler des primes, bon, les primes, vous en parlerez plus tard, au fil du temps. Vous aurez, bon, les premiers personnages, ça sera type Excalibur ou d'autres, 3 ou Volt. Moi, je vous conseille Excalibur parce qu'il est très bien. Donc, il est pas mal. Donc là, vous pouvez voir c'est sa information, ses pouvoirs. Chaque Warframe a 4 pouvoirs différents. Donc voilà, Excalibur pour Excalibur. Après, vous avez d'autres, hein, bien sûr. Ah oui, il y a Volt, je sais même plus où il est, hein, tellement. Vous voyez, c'est quand même pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à XP. C'est quand même pas mal de Warframe à XP. Et vous avez aussi pas mal d'armes aussi à XP, donc tout ce que vous allez XP sur ce jeu vous permettra de passer des paliers et les débloquer des emplacements pour justement garder certaines armes que vous aimez, par exemple. Vous voyez, on a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de choses. C'est un jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, vachement intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous répète, c'est un jeu totalement gratuit, hein. Vous pouvez le télécharger sur Store. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Bon, après vous avez des mods, bien sûr. Donc les mods, il y en a quand même un paquet. Ouais, donc vous voyez, pas mal de mods. Donc moi j'en ai bloqué pas mal, donc ça fait quand même assez longtemps que j'y ai joué, il y a très très longtemps. Donc le jeu depuis là, bon, il a bien évolué, on va dire. Carrément bien évolué. Donc vous voyez, j'ai quand même débloqué pas mal de modes. Il y a énormément de modes encore que je n'ai pas débloqué, comme vous voyez. Donc des postures, enfin, il y a plein de trucs, des auras, vous comprendrez peut-être si vous êtes intéressé à le télécharger. Donc voilà. Après, vous avez aussi des animaux de compagnon. Donc ça peut être pas mal, des cubros, des sentinelles, donc des 4 cubros. Ça peut être vraiment excellent. Donc ça, c'est leur fusil. Ça, c'est leur canon. Donc chaque animal a des canons. Parle bien des sentinelles. Après, les cubros et les 4 cubros, bon, ils ont leur personnalité. Il y en a qui peuvent vous mettre invisible, par exemple. Il y a des cubros d'attaque. Bon, c'est assez complet, c'est assez intéressant. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à peu près comment modder un Warframe, hein, tout simplement. On va dans son arsenal. Donc, on va faire améliorer. Tout est bien écrit. Vous voyez bien que ici, vous avez les mods. Les modes du Warframe. Donc moi j'en ai pas mal, j'en ai pas mal débloqué. Bah, pour les débloquer, il faut faire des missions, tout simplement. Il faut faire des missions. Des missions assez compliquées, je vous avoue. Donc si vous voulez, par exemple, des modes en or comme cela, il faut faire des missions ou des guettes ou des quêtes qui seront présentées dans le panneau de navigation, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez une aura ici. Les auras vous permettent de donner un peu plus de capacité. Ici, vous permettent d'avoir plus de capacité. Donc, plus vous aurez de capacité, tout simplement,
plus vous pourrez mettre des mods. Donc après, en mettant vos mods, vous verrez bien que vos capacités augmentent. Hein. Ça joue avec le bouclier, ça joue avec la santé. Après, bon, on passe sur les pouvoirs. Donc vous avez la portée, la puissance, etc., etc. Parce que votre arme a besoin de puissance, a besoin de portée. Ils ont besoin aussi de durée. La durée d'énergie est très importante parce que quand vous avez des Warframes par exemple qui ont besoin de durée d'énergie parce qu'ils consomment énormément d'énergie, la durée d'énergie est très importante. Donc ça sera configuré avec vos mods. Hein. Vous avez des mods, comme vous voyez écrit, ça écrit ici, bon, à intensifier, ça permet d'avoir plus de puissance. Hein. Redirection par exemple, voilà, efficacité du pouvoir fait que justement ça vous donne plus de durée de pouvoir. Donc cette carte est intéressante. Il y aura plusieurs modes. Ceux-là, vous voyez, il y a allonge. Hein. Après, allonge, ça veut tout dire. Voilà. Le pouvoir va chercher beaucoup plus loin. Bon, il y a plusieurs modes comme ça qui peuvent être intéressants. Et ça marche aussi bien avec les armes. Hein. C'est pas que les Warframes. Donc, vous verrez, si vous voyez, c'est quand même un jeu assez intéressant. Par exemple, pour cette arme-là, vous voyez, on va sur amélioration. Bon, moi, je l'ai bien amélioré. Donc, vous pouvez mettre des modes assez intéressants. Donc, moi, déjà, dès le départ, ne pensez pas avoir des bons modes. Hein. Les modes que vous avez dès le départ, c'est des petits modes comme ça, par exemple. Et au fil du temps, vous allez débloquer d'autres modes intéressants. Ou voir si vous avez des amis qui peuvent vous aider à vous passer des bonnes cartes. Hein, on va appeler ça des cartes, ça, on va simplifier. Donc ça peut être intéressant pour vous. Hein, pour faire beaucoup plus de dégâts. Donc les armes, comme les Warframes, vous les montez à 30, niveau 30. Donc normalement, ça doit vous afficher 30 ici en haut dans les capacités. Moi je suis à 60 parce que bon, si vous voulez augmenter plus vos capacités, il y a des différentes façons de le faire. C'est tout simple, vous appuyez sur le joystick droit et vous allez ici sur action. Donc ici vous avez soit ici cet œuf qui ressemble à un œuf, c'est par exemple bon ça s'appelle un catalyseur hein, pour les Warframes, c'est un réacteur et ça vous permet justement de multiplier votre capacité. Hein. Comme ça vous arriverez à 60 par exemple comme je suis là. Hein. Donc 60 de capacité c'est très intéressant, ça vous permet de mettre plus de mods sur votre arme et peut-être même les gonfler. Donc pour les gonfler les mods tout simplement vous voyez comme celle-là il n'y a pas de lueur bleue en bas, les étoiles sont blanches. Donc ça veut dire que le mod est vide. Donc il va pas me donner plus de dégâts que moi j'ai envie que l'arme me fasse. Donc pour ce faire, tout simplement, vous voyez comme celle-là, vous voyez des lueurs bleues en bas. Donc ça veut dire que ce mode est bien gonflé. Donc je l'ai bien gonflé. Pour ce faire, tout simplement, il faut aller sur module. Hein. Donc on sort d'ici. Hein. Un petit vaisseau sympathique. Bon, vous voyez mon petit cube ici, ma petite sentinelle. Bon. C'est assez sympathique quand même. Bon, vous allez sur mode. Donc vous appuyez ici. Vous allez prendre une carte au hasard, n'importe laquelle, oui j'en ai quand même pas mal. Donc la carte que vous avez, que vous voulez justement améliorer pour votre Warframe ou pour votre cubro, ou que ce soit, ou sentinelle, ou votre arme. Donc on va prendre une carte au hasard, donc je vais prendre celle-là. Je vais dire oui, je vais sélectionner fusion, donc ça va me mettre dans le module de fusion qui va me permettre justement de l'améliorer. Moi j'appelle ça gonfler une carte. Bon, si vous voulez gonfler une carte, tout simplement vous faites RB. Donc vous voyez que il y a un petit point bleu qui apparaît et on voit en haut à gauche que ça augmente justement ce que vous voulez sur cette carte-là. Donc il faut prendre en compte aussi que ici, si vous voyez bien ici là, en haut à droite, il vous faudra des petites sphères. Hein. Ça s'appelle des endos et aussi du crédit. Donc pensez pas que c'est gratuit, il faut payer malheureusement, c'est comme ça, tout se paye. Après, à vous de farmer des crédits, à vous de farmer ce qu'il faut pour justement améliorer vos cartes. Donc après, plus vous allez augmenter, plus ça sera efficace et il faudra prendre en compte aussi, plus il faudra des ressources et il faudra aussi payer en crédit. Ça vous coûtera un peu cher. Ça dépend des cartes. Si c'est des cartes par exemple en bronze, comme ça. Ça vaudra pas si cher que ça. Si vous prenez des cartes comme ça, bon, chaque carte a son prix. Hein. Et les cartes en or, forcément, bon, c'est ceux qui coûtent les plus chers. Voilà. Donc voilà, pour les modes, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. C'est assez simple. Bon, c'est assez simple pour ceux qui connaissent, bien sûr. Mais ceux qui connaissent pas, vous allez avoir un peu de mal dès le début, mais vous allez comprendre assez rapidement. Au fil donc, vous allez modder vos Warframes
et vos armes, par exemple, ou même vos cubos, vos sentinelles, hein, les sentinelles ça marche pareil, ou vos cubos, c'est le même système. Donc après, à vous de trouver les bons modes pour vos warframes et pour toutes vos armes, bien sûr. Et après, bon voilà, vous pouvez améliorer votre warframe assez facilement. Donc voilà, alors pour les modes, ça c'est fait. Donc après, bon, vous venez ici dans le codex. Pour ceux qui débutent, vous avez ici vos premières quêtes à faire. Vous voyez, bon, moi j'en ai fait quelques-unes, je les ai pas toutes faites. J'aurais dû les faire parce que il faut les suivre. Il faut les suivre pour bien que le jeu soit complet, pour que vous perdiez rien sur les missions, parce que vous aurez besoin de faire toutes les quêtes pour améliorer votre jeu. Parce que c'est un jeu qui a quand même énormément de mises à jour, donc si vous avez le malheur d'oublier une quête, bah, vous serez complètement perdu. Parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle Citizen, c'est un grand pote à moi qui m'a averti déjà, je voulais pas le savoir, et maintenant je me fais un peu chier pour rattraper toutes mes quêtes. Voilà. Bon. C'est pas grave. On va les faire. Il faut juste que j'aie un peu plus de patience. Ça va se faire. Comme c'est un jeu assez sympathique, moi je vous le conseille. Hein. Si vous voulez faire des parties avec des potes et tout ça peut être intéressant. Donc, deuxième chose à savoir sur ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des clans. Hein. Des clans. Quand moi j'ai un clan qui s'appelle BG Génération. Donc je vous le montre, il est là, mon clan il est là. Donc voilà. Ce qui est bien aussi sur les clans, c'est que vous pouvez aussi personnaliser aussi, comme vous voyez ici en haut, des emblèmes qui vous représentent. Hein. Ça peut être intéressant. Vous voyez ici, bon. Ici l'entrée du dojo, on peut faire un tour, comme ça vous verrez à peu près comment que ça représente. Vous avez des rangs aussi de clans, donc mon rang il est 0 parce que si vous voulez, une époque on était énormément dans le clan. Le fait que j'ai dû arrêter le jeu, donc pas mal de monde a parti aussi bien sûr, parce que je suivais pas, hein, s'il n'y a pas le chef, vous savez les gens ne suivent pas. Donc voilà, tout le monde est parti et bon c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai perdu énormément de rang de clan, parce que bon voilà, personne contribue, il n'y a rien, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est pas grave. Donc là je vous montre à peu près à quoi ça ressemble le dojo. Donc ça c'est intéressant parce que dans le dojo, si vous voulez, il y a plein de choses à faire. On peut s'entraîner, on peut se combattre avec ceux qui sont dans le clan, parce qu'il y a des salles de combat. On a aussi, comme vous voyez, bon vous voyez que c'est assez sympathique, hein. Bon, ça demande quand même pas mal d'heures de travail parce que c'est des décorations qu'on nous met nous-mêmes et qu'on doit contribuer grâce aux deux ressources. Grâce à des ressources qu'on doit farmer sur les missions bien sûr. Donc ici la base dans un dojo, c'est la tour d'échange, est super super importante parce que grâce à cette tour d'échange vous pouvez par exemple échanger pas mal de modes, aussi des warframes, donc des primes, hein, c'est comme j'ai celui-là, hein, des primes qui sont beaucoup plus, on va dire, sympathique par rapport à des warframes de base. Donc moi je les appelle des warframes de bronze, et moi j'appelle ça, si vous voulez, des warframes d'or doré, hein. Donc ils sont beaucoup plus sympathiques, mais vous verrez, ça change pas énormément au niveau pouvoir, c'est la même chose, hein. Ça va jouer avec les modes surtout. C'est juste pour dire que voilà, le warframe est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Après on peut personnaliser son warframe, hein. Tout ça, ce que j'ai mis sur ce warframe par exemple actuellement, c'est des décorations, donc ça doit se débloquer par exemple avec des PL. Mais ça, bon, je vous expliquerai ça plus tard, c'est assez compliqué. Donc pour l'instant, je vais vous montrer bah, le dojo, à quoi ça sert. Voilà, donc on a parlé la tour d'échange pour les échanges avec les warframes, tout ce qui est mode, etc. etc. Donc ici, vous voyez, on a des. Moi j'ai mis ici comme des. On va appeler ça des ascenseurs. Hein. Ça va permettre de vous téléporter un peu partout dans le dojo. Parce que si vous voyez bien, comme vous voyez ici déjà, cette pièce ici, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de pièces. Donc ça fait partie du premier étage. En bas, il y a beaucoup plus. Bah après, vous personnalisez votre dojo. Parce qu'on peut personnaliser. Ça sera le rôle du chef de le faire. De mettre le dojo comme vous le voulez. Hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire un grand dojo, un petit dojo, ça dépend le nombre de joueurs que vous avez dans votre clan. Ça joue avec énormément de choses. Voilà. Donc ici, c'est la pièce principale. Donc c'est là que tout le monde va respawn. Hein, vous voyez? Bon, bah, moi j'ai mis personnalisé, j'ai personnalisé ma place dans cette salle. J'ai mis des salles de combat, ou comme vous voyez ici. Vous pouvez vous fight avec vos amis. Hein, ça peut être sympa. De ce côté-là, j'avais mis. Une salle, bah, une salle
d'entraînement. Donc il y a d'autres salles d'entraînement grâce à des nouvelles mises à jour. Moi, je n'ai pas encore mis, je n'ai pas d'intérêt de mettre parce que, comme vous voyez, dans mon clan, il n'y en a plus personne, malheureusement. Donc après, bon, je peux aussi recruter, bien sûr, mais bon. Là, on a envoyé encore un ascenseur. Hein, ça, c'est pour essayer de se téléporter le plus rapidement possible sur les pièces. Moi, je ne le fais pas comme ça vous permet d'un peu visiter un peu le monde au jour. Ici, bon, ici, on a des pièces. C'est des pièces spéciales, en fait. Grâce à ces pièces-là, ça me permet d'accueillir énormément de monde hein, sur le dojo bien sûr. Donc ici on passe à la pièce à côté qui est aussi belle que l'autre hein. Franchement on a bien bossé, je remercie à tous ceux qui ont contribué justement pour ce dojo hein. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, là on va passer sur les salles principales. Donc c'est là où vous pouvez éventuellement débloquer des armes pour tous ceux qui ont y contribué, donc tous ceux qui font partie du clan. Donc après, une fois débloqué, tout le monde pourra les prendre justement pour XP bien sûr, parce qu'on a besoin de toujours avoir une arme pour XP pour évoluer, pour gagner, pour évoluer vos paliers. Donc vous verrez, il y a quand même pas mal de salles avec pas mal d'armes assez intéressantes, hein, qui vont pas mal. Donc moi je trouve ça vraiment génial. Il y a des armes vraiment très très intéressantes qui font masse de dégâts. Après on fera une mission pour vous voir, pour que vous voyez comment que ça marche. C'est vraiment pas mal. Donc là il y a d'autres. Là aussi cette salle elle est bien parce que ça vous permet de débloquer des warframes. Hein. Voilà. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de trucs. Et aussi des ailes, les automatas bien sûr, puisqu'on peut avoir des ailes pour aller sur l'espace. Et aussi dans le monde ouvert. Hein. Ça c'est une nouveauté de la dernière mise à jour. Hein. On a des mondes ouverts, c'est sympa. Sur Vénus, sur la Terre. Voilà. Là il y a d'autres armes, voilà, c'est voilà, d'autres pièces assez sympa que vous voyez, c'est assez sympa, c'est bien travaillé, c'est beau. Après les couleurs, bon les couleurs c'est moi qui les personnalise. En général quand vous faites un dojo, vous n'avez pas les couleurs comme ça, hein, c'est à vous de mettre les couleurs que vous voulez. Mais justement pour mettre les couleurs, il faut les débloquer, hein, tout se travaille. Donc on va prendre le transporteur, hein, voilà. Moi je l'appelais transporteur Ulysse. Hein. Et après vous allez dans la pièce que vous voulez. Hein. Après tout ça, ça s'écrit, ça se met, ça c'est du boulot, mais ça rend le dojo un peu plus sympathique et un peu plus maniable, on va dire. Donc vous pouvez aller, voilà, voir mon jardin BG. Donc moi j'ai fait mon jardin personnalisé, bien sûr, hein, parce que bon, étant chef de clan. Ah ça c'est jardin BG, je suis désolé. Je suis perdu parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas entré dans le dojo, donc je suis un peu perdu. Je sais plus, oui, bureau bas de pierre. Hein. Ah, là, oui. Donc ça c'est mon bureau personnel. Voilà. Hein. Bon qui est pas fini, vous voyez. Hein. J'avais pas fini à 100%. Donc ce qui est sympa c'est que vous retrouvez toujours vos logos de clan sur le dojo. Voilà, ça c'est. Moi je trouve ça vraiment sympa quoi. Donc allez, qu'est-ce qu'on a les... Ah oui, un petit clin d'œil. Pour mon pote, voilà. Donc ouais, dans sa salle, voilà. Sa salle City, voilà, c'est la salle City. Mais non, c'est pas la salle City parce que il a quand même pas mal de salles. Mon gardien de nuit, hein, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, bien sûr. Je sais plus. En fait, oui. Alors on va faire comme ça, ça va être plus simple. Alors attendez, parce qu'il y a tellement de. Non, on va rester là. Hein. On va rester là, je pense. On va essayer de trouver l'ascenseur. Voilà, parce qu'il y a des ascenseurs. Hein. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Moi, je prends les transporteurs. Ça va beaucoup plus vite. Ok, l'ascenseur il arrive. On va juste l'attendre un peu. Ok. Bon, vous voyez, c'est super sympathique. Hein. Donc voilà. Hop, on y passe. Voilà, bon, ça c'est le bureau à City. Hein. C'était un de mes chers collègues qui a donc fait son clan lui-même. Qu'on est en alliance, on est même en alliance ensemble, donc c'est très bien, comme ça on reste toujours en communication. Alors il a voulu lancer son clan, donc c'est très bien. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Lui il l'a fait parce qu'il avait ses raisons. Ses raisons fait que, bon voilà, moi le fait que j'ai fait un gros clan, la seule bêtise que j'ai fait c'est pas le réduire parce que ça me coûte énormément de ressources. Lui il a voulu justement faire son clan à part parce que au moins ça le permettait, lui qui suivait plus le jeu que moi parce que bon moi j'ai dû arrêter quelques temps. Lui a toujours continué, donc comme il voulait évoluer justement sur ce jeu, il a dû faire un autre dojo pour éviter de mettre trop de ressources pour débloquer ses armes, les warframes, etc. etc. Donc il l'a fait très bien. Maintenant c'est moi qui lui demande des conseils parce que j'en ai gravement besoin parce que c'est un jeu qui évolue tout le temps. C'est comme je vous ai dit, c'est un jeu qui fait masse de mises à jour et qui a besoin justement bah, de suivre pour pouvoir évoluer.
Si on vous suivez pas le jeu, vous pouvez pas évoluer avec le jeu. Ça, à bout d'un moment, si vous voulez, si vous arrêtez, ça va être trop compliqué de reprendre parce qu'il y aura tellement de choses à faire, vous serez perdu. Donc c'est bien de suivre de temps en temps le jeu pour pouvoir évoluer. Donc voilà, ça c'est le dojo. J'ai pas besoin de vous montrer plus. De toute façon, si le jeu vous intéresse, vous verrez par vous-même. Ou si jamais on pourrait se croiser, et si vous voulez que je vous recrute, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est l'oracle. Hein. Donc ici, l'oracle, il y a toujours besoin de l'oracle parce que c'est la pièce principale. Si vous n'avez pas cette pièce ici, vous pouvez pas, comment dire, débloquer toutes les pièces, toutes les salles où il y a les armes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon. Allez, on va sortir du dojo. On va faire quelques missions pour vous montrer comment que ça fonctionne parce que c'est quand même assez intéressant. Et c'est là que vous allez peut-être, on va dire, apprécier le jeu, parce que c'est vraiment dans le jeu, quand vous êtes dans le feu de l'action, c'est là que le jeu vous prend et vous êtes au feu de l'action. Après, on va vous montrer aussi comment récolter des ressources, tout ça, ça va être, vous allez voir, c'est super intéressant. Et comme je vous répète, ce jeu est totalement gratuit et bien complet, vous voyez. Ok, alors on est de retour sur le vaisseau. Vous voyez, super sympa. Donc vous voyez les statuettes, c'est facile, hein, si vous voulez les faire tourner, parce que on peut les faire tourner grâce à des sphères. Donc moi je l'ai pas fait, je m'intéressais pas, je peux le faire. Hein, c'est très sympathique, vous voyez les petites statuettes qui tournent et tout, c'est super sympa. Donc, on va faire une mission. Hein. Alors une chose à savoir aussi sur ce jeu. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même pas mal de planètes à débloquer. Hein. Il y a quand même pas mal de planètes à débloquer. Donc voilà, vous voyez, là on est sur Vénus. Donc il y a la Terre, il y a la Lune, il y a Iris, tout ça, Mars. Bon, je pense que vous connaissez tout ça, pas besoin de vous l'expliquer. On a des choses supplémentaires comme le néant. Ça c'est super sympa. À une époque, c'est là où on allait justement travailler, chercher du loot le plus lourd. Donc c'est les primes, les choses plus importantes. Hein. Mais ils ont changé encore, comme vous dites, le mode de jeu. Maintenant, le Prime, on peut les trouver un peu partout. Il suffit d'avoir des reliques. Avant, c'était des clés du néant. Donc, ils ont mis des reliques. Hein. Comme ça nous permet, si vous voulez, de chercher du Prime un peu partout. Bon, vous allez voir, c'est assez sympathique. Peut-être, on pourrait même lancer une mission avec des reliques. Comme ça, vous verrez comment que ça fonctionne, le système, pour avoir du Prime. Donc, vous allez ici. Et vous voyez, donc ça c'est pour des reliques, hein, vous voyez, et c'est là qu'on va chercher le loot le plus lourd, le loot le plus intéressant. Donc après, assurez-vous d'avoir des reliques. Mais pour avoir des reliques, tout simplement, il suffit de faire des missions, soit avec défense, survie ou quoi que ce soit, vous trouverez les reliques qu'il vous faut. Hein. Donc vous voyez, on a des captures, interceptions, sauvetage. Bon, par exemple, on va faire simple, on va faire une défense mobile. La défense mobile, à quoi ça consiste? La défense mobile consiste à défendre des points. Donc tranquillement, on les défend pendant à peu près 5 minutes. Et une fois que c'est fini, on s'en va et on récupère le loot qu'on a besoin. Donc ça, vous voyez, ça c'est des reliques. Chaque relique vous montre exactement ce que vous voulez looter, ce que vous voulez looter en premier. Hein, par rapport à certains schémas que vous avez par exemple droppés dans une mission. Donc pour alors on va choisir une relique, après je vous expliquerai vraiment comment que ça va fonctionner. Donc moi je vais en mettre une au hasard, comme ça c'est juste pour vous voyez comment que ça fonctionne. Voilà, on est parti. Donc le matchmaking se fait automatiquement une fois que vous avez mis votre relique. Soit on peut rejoindre des équipes qui sont déjà au combat, ou soit ben si vous êtes par exemple avec des amis, vous partez tous ensemble, c'est plus sympathique. Hein. Donc on est parti, vous voyez, vous avez quand même une cinématique assez sympathique, le temps que ça charge, voilà, vous pouvez s'amuser avec vous pouvez tourner avec votre vaisseau, voilà, faire des dérapages, c'est assez stylé quoi. Bon, ça tourne, tourne, c'est assez sympa je trouve. Hein. Bon, vous n'avez pas ce vaisseau de base hein, dès le début, hein. Je vous préviens, vous avez un sort de vaisseau, on dirait, je sais pas. On va vous expliquer ça, on dirait une casserole quoi, c'est un vrai bordel quoi. Bon, après vous pouvez aussi changer les couleurs. Hein. Vous pouvez, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout personnaliser. Que ce soit les couleurs intérieures de votre vaisseau, extérieur, que ce soit, c'est assez sympa. Hein.
À une époque, bon, on n'avait pas du tout ça, mais maintenant, bon, on a quand même l'opportunité de faire voilà, des choses sympas. You're still in the clear. No Vous voyez detection from là, enemy on va sensors. faire une défense mobile, donc contre des greeners, parce For qu'il the y a moment. trois sortes d'ennemis, donc on a des greeners, on a les infestés, on va le faire plus tard. Use that reaction to open a relic. Vous avez aussi les Don't forget corpus, the donc reaction. You need more to vous le open that trouverez dans relic. les néants. Voilà, ça c'est les coussins, il faut les casser parce qu'ils ont tendance à se cacher derrière. Donc le truc c'est qu'il faut partir directement à la défense mobile. Je ne sais pas s'ils ont pris la clé. Attendez, je sais même pas si c'est une défense mobile, peut-être que je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on y va. Ah si, si, il l'a dans la main, il l'a dans la main, il a les clés dans les mains. Il faut juste foncer en fait directement à la défense. Hop là, moi je les évite tous, hein, je cherche pas. Bon là je me suis fait avoir, j'ai tous mes pouvoirs. Parce que il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des... excusez-moi pour le lag parce qu'il y a des gens qui rejoignent. Hein. Comme je vous ai dit, chaque enferme a des pouvoirs. Et pour débloquer vos pouvoirs, comme vous voyez en bas de votre écran à droite, il faut l'énergie pour déployer vos pouvoirs. Hein. Vous avez 4 pouvoirs, et voilà, là, je les bouge comme vous voyez, hein, avec une petite lueur bleue. Les bouches et choisis le pouvoir que je veux. Donc là j'ai plus d'énergie parce que je me suis un peu fait avoir, j'ai passé la porte sans faire attention. Donc quand vous faites du prime, rassurez-vous de ramasser toujours hein, ces petites flammes intéressantes puisque vous en aurez besoin pour justement pouvoir profiter de votre loot à la fin de la partie. Hein. Si vous avez malheur de ne pas avoir justement vos petites pièces brillantes qui s'appellent des réactifs, si vous n'avez pas ramassé des réactifs, là vous êtes vraiment foutu parce que la deuxième c'est un peu plus. Donc là je peux éventuellement mettre mon pouvoir, donc là j'ai mes contacts toxiques, donc ça va automatiquement les détruire et qu'une fois qu'ils passent dessus, ils sont morts. Voilà, vous voyez ça fait mal de dégâts. Il n'y a pas besoin de les tuer. Après ça va jouer avec leur niveau, hein. Plus ils seront au level, plus ça sera dur de les tuer. A vous d'avoir les armes qu'il vous faut pour les éliminer bien sûr. Donc ce jeu est assez sympa. Parce que on peut vraiment faire vraiment tout ce qu'on veut, on peut vraiment tout personnaliser. Vous voyez c'est assez sympathique. Le déplacement est assez facile à gérer, vous voyez, pour faire des super sauts, des méga sauts, des vidéos. Hop, hop, hop. Hop. Par contre, le truc, c'est vraiment très maniable. Donc là, on a fini la première défense, hein. Bon, c'est du petit level, hein. Ça va assez vite en général. Donc on va partir dans l'autre sens. Nos points à défendre. Là, j'ai fait attention, comme vous voyez, j'ai fait attention à la lueur, on a plus de pouvoir. Hop là. Allez, on y va. On monte là. On se met là. Hop là. Location reached. On va attendre que les collègues arrivent, hein, parce que bon, il y en a qui sont un petit peu plus lents que d'autres. Voilà, ça c'est fait. Allez, toi, tu dégages. Bon, c'est du petit level, hein, ça se tue assez rapidement, assez facilement. On va mettre une petite défense, comme ça on est sûr qu'on sera pas emmerdé. Bon, il y a d'autres pouvoirs, c'est sympa. Hein. L'avantage de Béron, mon personnage, c'est qu'il peut faire des dégâts comme il peut aussi donner de la vie à ses collègues. Hein. C'est tout sympathique. Hein. Les Warframes qui font énormément de choses. Hein. Il y a des Warframes qui se font des ennemis, il y en a qui donnent de la vie, il y en a vraiment qui font plus de dégâts. Et chaque Warframe a sa capacité. Et je trouve ça super sympa quand vous jouez en équipe. Ah bon, ça c'est un greener qui m'a transporté en fait. Il a pris ma place si vous voulez. Donc c'est un peu chiant, mais on s'y retrouve assez rapidement. Alors, on met un petit appui, comme ça il meurt plus. Voilà, comme vous voyez, c'est un petit peu. Après, ça va jouer avec la puissance de pouvoir aussi, hein, naturellement. Et ça, c'est les modes. Les modes qui vont faire la différence. Donc là on attend que la défense se termine. Bon, il y a plusieurs modes de jeu, hein. Ça c'est le mode de jeu qu'ils nous ont présenté pour pouvoir faire nos primes. Donc là c'est fait, on peut repartir sur l'autre, je crois qu'ils ont pris la clé, oui ils sont déjà partis, ils mettent son foufou.
Hop là, là il y a les ressources. Bon, ça des sources assez compliquées à trouver, donc là, bon, j'ai eu de la chance. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il y a des ressources dures à avoir et d'autres assez faciles. Les plus compliquées, c'est vrai que c'est celles qu'on a besoin le plus. Normalement, mais ça permet aussi aux gens de farm un maximum. Voilà, ça c'est mort. Oui, plein de caisses à ouvrir, mais bon, après ça vous rapporte des crédits, quelques petites ressources pas trop importantes. Puis à la fin de la partie, vous aurez ramassé quand même pas mal de ressources. Pour faire un truc, voilà, c'est sympa. C'est de l'ulti, si vous voulez, chaque personne a un ulti. Donc c'est le pouvoir le plus fort que vous avez sur vous. Je peux faire masse de dégâts, il y a des ultis assez sympas qui peuvent faire, assez rigolo. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez, assez sympa. Vous avez 4 pouvoirs, hein. Chaque pouvoir ça se peut expliquer, voilà. Moi j'utilise les pouvoirs qui font plus de dégâts, hein. C'est facile, c'est facile. Quand vous êtes emmerdé par plusieurs greeners ou que ce soit infesté. Après vous avez quand même des beaux mélanges de couleurs, donc c'est ça qui rend le jeu sympathique aussi, c'est tous ces mélanges de couleurs. Pas trop non plus, parce que justement vous êtes obligé de jouer avec des lunettes de soleil comme City le jouait à une époque, parce que c'était impossible. Nous on aime bien jouer avec les couleurs, hein. En quelque sorte, entre guillemets, c'est un peu le bordel. Mais ça rend le jeu vraiment super sympa et on peut passer, comme je vous dis, passer du bon. Donc là la mission est finie, donc quel point d'extraction à suivre? Toujours le petit point vert en haut de la carte. Après ça vous indique bien où il faut aller. Une fois que c'est fini, bah écoutez, vous partez à l'extraction et vous allez récupérer le truc. Donc ça c'est une mission, si vous voulez, assez facile à faire, bah, très très vite, sinon vous avez des missions beaucoup plus longues. Vous pouvez même relever des défis, type faire des survies qui peut durer une heure ou mettons une heure et demie comme moi j'ai fait, je crois que c'est mon temps le plus long. Mais pour ce faire, il faut avoir une équipe sûre. Il faut soit une équipe sûre. Mais une équipe bien, bien équipée, quoi. Ouais. Ah, oui, il est content. Ah oui, bon, après, vous avez aussi ce petit personnage-là. Mais après, bon, c'est des choses que je pourrais vous faire découvrir. Si vous êtes intéressé à voir cette vidéo, je pourrais vous faire découvrir, vous apprendre comment il faut faire ça. Comment avoir ce petit personnage sympa. Donc là, vous avez les trois loot. Plus il y aura de personnages, plus il y aura de loot à votre faveur. Moi je vais plutôt prendre le casque. Même si je l'ai déjà, mais ça va permettre, plus vous avez du prime, gardez-le. C'est toujours bon à prendre, même si vous l'avez en double ou plus ou pas, gardez-le. Parce que ça va vous permettre peut-être de le vendre. Si vous vendez, ça vous fait de la monnaie. Une monnaie spéciale que si vous voulez, après vous pouvez acheter des pièces au marchand qui est dans les relais, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo, qui vous permettra d'acheter des mods spéciales accrues beaucoup plus gonflés que nous on a actuellement, ou des accessoires pour votre vaisseau, etc, etc, peut-être même des skins, des trucs où vous pouvez personnaliser votre Warframe, comme le mien est personnalisé assez sympathiquement, parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce Warframe, vous n'avez pas un Warframe aussi beau, hein. Vous avez un Warframe de base moche, dégueulasse. Ça sera après à vous éventuellement de l'améliorer avec vos ressources, vos propres moyens, on va dire, hein. Donc voilà, mission finie. Donc vous avez récupéré donc des loot, vous avez récupéré un casque prime. Donc le casque prime, qu'est ce que c'est? Attendez, je vais quitter le groupe parce que sinon ils vont encore m'embarquer, je sais pas où. Voilà, on va être tranquille. Donc qu'est ce que c'est que le casque prime? Donc ça, le casque prime, tout ça c'est des accessoires qu'on vous voyez ici devant vous, qui va vous permettre de faire par exemple un Warframe. Donc là, comme vous voyez, j'ai en stock, j'ai un châssis, j'ai un schéma H prime, donc juste en dessous j'ai de quoi faire pour les construire, parce que quand vous voyez ce schéma là, vous voyez bien qu'il y a besoin d'un casque, d'un système et d'un châssis pour le construire. Donc moi je les ai là juste en dessous, donc moi je le construis pas parce que je l'ai déjà fait. Donc vous voyez, il y a le châssis H prime, donc que je peux construire éventuellement.
J'ai le casque, bon, il me manque le système, à moi de me démerder par exemple d'aller chercher le système. Donc pour ça, il faut mettre des reliques et faire des missions pour avoir la chance, c'est vraiment aléatoire, d'avoir la chance de pouvoir construire le système. Une fois ces pièces construites, qui durera 12 heures de construction, ils seront automatiquement mis sur le schéma, hein. 12 heures de construction, vous allez me dire oui, ça fait un peu longtemps, mais ça vous permet peut-être, par exemple, d'XP un Warframe, ou par exemple, d'XP, admettons, des armes. Hein. Ça vous laisse largement le temps d'XP vos accessoires, et le temps que vous XP vos accessoires, rassurez-vous d'avoir toujours quelque chose à construire pour continuer d'XP. Parce que l'XP sur ce jeu, c'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que vous avez besoin de passer de palier. Les paliers, c'est ce que vous voyez en haut. Comme vous voyez ici, là, je le montre bien en haut où il y a mon gamer tag. Je suis palier 22. Donc je peux vous le montrer différemment si vous voulez. Il faut monter de palier parce que sinon vous ne pourrez pas débloquer justement les armes. Faut pas débloquer. C'est tout un processus qu'il faut vraiment, vraiment évoluer pour pouvoir bien tout débloquer et bien comprendre les choses. Donc vous voyez, je suis palier 22, comme vous voyez là-haut. Bon, pour passer palier 22, faut faire quand même pas mal d'heures. Hein. Je vous le dis, hein, je préfère vous rassurer de suite. Enfin, ça sera pas du jour au lendemain que vous serez 22. Il faut vraiment, vraiment, vraiment XP débloquer énormément d'armes. Et vous voyez tout ce qui me représente, hein, c'est le clan. Après, je suis peut-être traqué par Stalker. Donc, Stalker, c'est un assassin. Hein. Une chose à savoir, quand vous tuez des boss, hein, ben, vous avez toujours un gars pour vous casser les couilles, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis traqué par Stalker. Bon, après, vous voyez, vous pouvez aller sur équipement. Vous voyez toutes les armes que j'ai XP. Vous voyez toutes les armes qu'il faut XP. Donc, ceux qui sont pas vus comme ça, qui sont un peu grisâtres et qu'on ne voit pas trop, c'est les armes qui manquent à XP, que je dois XP, malheureusement, pour augmenter mes paliers, parce que je pense que là, bon voilà, on peut monter jusqu'à 26, on peut aller beaucoup plus haut, mais pour l'instant les créateurs ils ont dû le bloquer à 26 et au palier 26. Bon, j'en ai pas vu grand monde de palier 26, j'en ai pas vu beaucoup parce que c'est quand même, il faut avoir le temps d'XP, c'est quand même énormément de travail, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, il y a des cubes et tout ça à débloquer, tout ça comment dire, ça s'XP. Il faut les construire, il faut XP, il faut se donner la peine, il faut se donner envie aussi, si le jeu vous plaît, parce que il y a quand même des choses intéressantes, hein, vous voyez, il y a pas mal d'armes super intéressantes, des armes qui font masse de dégâts. Bon, je vous ai vu un peu comment que ça marchait, mais il y a des missions beaucoup mieux, hein, beaucoup plus jolies, beaucoup plus sympathiques. Si on va dans le monde ouvert, alors là, c'est énorme, c'est super intéressant. En sachant que maintenant, dans les dernières mises à jour, ils ont mis des skates. Ouais, c'est un peu sympa. Je sais pas si vous connaissez Fortnite aussi. Ils ont fait des skates aussi. Ben, eux, ils ont fait aussi pareil. Des skates volant un peu comme Retour vers le futur. Je trouve ça vraiment génial. C'est super intéressant, surtout quand dans le monde ouvert, quand il faut aller très vite. Ça peut vous servir, ça peut vous aider. Une autre chose. Bon, voilà. Bon, j'ai parlé de tout ça. Donc, vous voyez, bon, on va retourner là-bas. On peut changer de Warframe. On peut faire différentes missions. Comme vous voyez, moi, j'ai quand même pas mal de Warframe débloqués. Voilà, vous voyez. Toutes ces warframes, elles sont super sympas. Chaque warframe a bien sa capacité. Voilà, il y a Frost, il y a Excalibur. Bon, moi le mien il est amélioré. Chroma, tout ça. Bon, H, comme celui-là, je vous ai montré tout à l'heure dans la fonderie, là où je pouvais le construire. Je ne l'ai pas construit comme celui-là. Donc, ça peut être sympa. Donc, après, dans la fonderie, une chose à savoir, c'est que vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Il n'y a pas que les warframes. Vous voyez, vous pouvez construire. Des armes, hein, pas mal d'armes, vous pouvez construire pas mal d'armes, vous pouvez construire des armes secondaires, parce que vous avez trois armes, une arme secondaire, une arme principale, et l'arme de mêlée. Donc l'arme de mêlée, comme vous voyez, c'est les armes, les couteaux, les sabres, il y a des sabres de ninja, comme le Nikana, c'est assez sympa, bon, il y a plein d'armes qui sont assez cool. Vous avez l'Archwing aussi. Donc l'Archwing, comme je vous ai parlé au début de vidéo, donc l'Archwing, c'est pour aller sur l'espace, hein, faire le foufou. Il y a pas mal de composants. Donc ça, c'est des skins à débloquer aussi que vous pouvez construire pour personnaliser votre Warframe différent des autres. Donc là, vous avez des ressources, donc des plaques d'énergie que vous posez au sol. Ça peut être intéressant. Vous avez ici les clés de drone. Donc une époque, je pense que c'est encore utile, je sais plus, faut que je m'informe d'une dernière mise à jour, je pense, parce que ces clés de drone vous permettaient d'aller chercher des mods corrompus en or sur l'épave.
Donc un néant un peu, on va dire, fatigué. C'était super intéressant. Donc là, vous avez quelques ressources, comme les, vous voyez, le catalyseur qui est super important. Des formats aussi, ça sera super important parce que ça vous permet de débloquer les pièces de votre dojo. Ça vous permet aussi d'améliorer vos warframes. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo plus tard si ça vous intéresse. À quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut être, en quoi ça peut être utile. Donc là, on a les réacteurs ici. Les réacteurs vous permettent d'améliorer votre warframe, contrairement au catalyseur qui vous permet d'améliorer vos armes. Donc vous augmentez vos capacités. Voilà. Au lieu d'avoir par exemple tant de capacités, vous avez le double grâce à cette petite pièce ici. Voilà, vous avez plein de choses, incubateur, bon ça c'est pour les cubros, tout ça pour qu'ils puissent être avec vous voilà, après tout. Bon voilà, vous voyez que là j'ai quand même des accessoires prêts à l'utilisation. Je ne les prends pas parce que bon voilà, je n'ai pas l'utilité hein, pour l'instant de les prendre. Et comme vous voyez, j'ai toujours une warframe en construction. Voilà. Bon, on va relancer une petite mission, on va relancer une petite partie, on va relancer des reliques pour l'instant. Après, je pourrais vous montrer les quêtes que j'ai à faire parce que j'ai quand même pas mal de quêtes. Ça peut être intéressant de faire des quêtes comme ça, être accompagné avec vous. Vous pourrez peut-être m'aider si vous connaissez le jeu aussi. Donc les quêtes sont assez... Il y a certaines quêtes qui sont assez compliquées. Ah, une chose, c'est aussi le marché aussi. Donc le marché, ça peut être intéressant pour vous. Parce que dans le marché, si vous voulez, c'est là justement où vous allez chercher les armes que vous avez besoin pour débloquer, pour XP. Donc c'est des schémas que vous devez acheter. Vous pouvez acheter des schémas avec du crédit les crédits du jeu. Parce que chaque mission que vous faites, vous gagnez des crédits. Donc là, comme vous voyez en haut à droite, bon, je suis à 6 millions, mais pour arriver à 6 millions, les amis, c'est pas en faisant une heure de jeu que vous avez 6 millions. Hein. Faut vraiment jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Bon, une époque, je jouais énormément. Hein, et c'est là où j'ai pu, si vous voulez, me permettre d'avoir ce crédit-là. Donc après, il y a pas mal de trucs intéressants. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez des skins personnalisés pour vos Warframes. Donc pour obtenir ces skins-là, malheureusement, il faut avoir la monnaie qui s'appelle le PL, le platinium, si vous voulez, en quelque sorte, pour dire réellement les choses. Le platinium, qu'est-ce que c'est que le platinium? Bah écoutez, tout simplement, c'est la vraie monnaie. Voilà. C'est la vraie monnaie, c'est parce que si vous voulez, si le jeu, il faut qu'il évolue, il faut parfois que les gens investissent un peu d'argent pour améliorer le jeu, pour que le jeu continue. Donc il y a deux façons d'avoir cette monnaie-là, le platinium. Soit vous faites chauffer la carte grise, vous la faites chauffer, voilà. Ou soit vous avez une autre façon d'en avoir, pour avoir l'opportunité d'avoir ces skins, ces choses super sympas. Comme moi, bon, voilà, vous avez, c'est personnalisé, mais c'est grâce au platinium. C'est des accessoires qu'on peut avoir, malheureusement, grâce au platinium. Certaines non, certaines oui, malheureusement. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous avez un chat ici. Donc, le chat ici, je l'ai présenté. Et vous avez, voyez, attendez, je vais vous mettre la communauté en direct. Parce que, bon, comme ça, vous pouvez voir tous ceux qui sont sur Warframe ici, sur ce panneau-là. Allez, tout ce monde-là. Grâce à ce monde-là, vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez négocier pour avoir du platinium. Vous allez justement seulement dans le chat d'échange. Dans le chat d'échange, vous verrez qu'il y a masse de monde qui vous dira, voilà, je recherche ce mode-là, je recherche par exemple une pièce ou une autre pièce ou que ce soit. Et le truc, c'est que vous pouvez négocier. Soit vous êtes vendeur ou soit vous êtes acheteur parce que vous avez fait brûler votre carte bleue. Vous dites, moi je vais me faire un kiff, je mets 20 euros, je me prends des platinium comme ça. J'ai pas envie de me faire chier à farm le prime. Si je veux un bon prime, hop, je fais péter la thune. Donc après, à vous de voir. Hein. Si vous voulez pas, à vous de vous crever le cul ou pas, parce que prenez du plaisir à jouer à ce jeu-là parce que je le trouve vraiment excellent. Prenez du temps à farmer comme des oufs du prime pour avoir le prime le plus difficile à avoir, parce qu'il y a des primes durs à avoir comme il y a des primes un peu plus faciles en quelque sorte à avoir. Donc les plus durs sont toujours les plus chers naturellement, hein, les plus rares, et les plus faciles,
Vous attendez pas que le gars va vous dire, écoute, je vais te donner, allez, 100 PL, alors que vous pouvez facilement le dropper. Donc le prime, je vais quand même vous montrer quelques primes intéressants. Hein. Les plus anciens, bon, c'est ceux-là. Le key. Vous avez aussi le key normal, mais bon, ça c'est le key prime, je le trouve vraiment très joli. Contrairement à le key normal, si je vous montre le key normal, vous allez dire, ouais, ah oui, c'est vrai, il y a une sacrée différence. Donc il y a le key normal ici, à côté. Hein, je vous le montre. Bon, le key normal, il est pas terrible. Mais je vous conseille quand même de le prendre si vous voulez vraiment monter de palier, parce qu'il faut tout XP sur ce jeu, malheureusement, il faut tout prendre. Vous voyez, le key normal, il est là. Donc le key, c'est un personnage furtif, à savoir. Hein. Il peut se mettre invisible. Il peut se mettre, voilà, il peut désarmer ses ennemis. Vous voyez, tout est écrit ici, hein, vous voyez. Tout est bien écrit, il suffit de lire et vous comprendrez réellement leur capacité, leur puissance. Donc il y a du Humber Prime. Hein. Je vous montre les plus anciens Prime. C'est vrai qu'il faut vous dire une chose, ces dernières mises à jour qu'ils ont fait sur Warframe, c'est des mises à jour vraiment sympathiques parce qu'ils ont vraiment amélioré les Prime. Ils sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympathiques, je trouve. Hein. Vous voyez, donc je peux vous montrer un Prime. Bon voilà, vous connaissez Oberon, hein, c'est celui que j'ai actuellement. Donc vous voyez, de base, il est comme ça. Mais avec quelques petites améliorations et changements de couleur, on peut quelque chose, quand même faire quelque chose de sympa. Hein. Donc il y a du Rhino Prime. Moi, je trouve, au début, quand j'ai joué à ce jeu, si vous voulez, le Rhino Prime, je l'adorais énormément. Je le trouvais vraiment sympathique. Il était vraiment baraqué. C'était vraiment quelque chose de ouf. Qui fait quand même pas mal de dégâts. Hein, parce que si vous voyez son ulti, bon, là, tout ce que je fais défiler, c'est son histoire. Hein. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait. Bon, lui, il a une sacrée histoire, on va dire. Hein. Donc voilà, il y a ouais, pétillement. Bon, alors ça c'est l'ulti. Le dernier pouvoir qui est tout en bas, en général, c'est l'ulti. C'est celui qui fait plus de dégâts, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc lui, il fait un pétillement du Rhino. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand il va taper du pied par terre, parce que le mec est vraiment vénère, il a pété un câble, il tape du pied, toute la map, elle explose. Hein, c'est un peu Incity, c'est un peu comme le mode expertise nucléaire. Donc ça va péter la map. Il déglingue tout le monde. Mais ça, encore une fois de plus, ça va jouer avec mon mode. Puis vous mettrez des modes de puissance de pouvoir. Vous pouvez vraiment faire masse de dégâts. Hein. Voilà, ça peut être sympa. Moi, je le trouve super sympathique, ce mec-là. Il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y a du Vauban. Il y a, pour voir, je vais vous montrer. Il y en a qui sont vraiment pas mal. Hein. Ils sont dorés et tout. C'est vraiment génial. Hein. Contrairement au Warframe de base. Parce que, bon, vous voyez celui-là, le Vauban, il est bien. Mais si vous voyez le Vauban normal, c'est pas du tout la même chose. Il est, on va dire, un peu dégueulasse. Mais dégueulasse. Après, il faut pas voir sur le physique non plus. Il faut voir surtout le talent. Leur talent, leur capacité, leur pouvoir surtout. C'est ça qui est très important sur un Warframe. Mais chaque Warframe, si vous voulez, a sa spécificité. Hein, attention. Hein. Donc, il y a Trinity. Je vous l'ai montré de base, Trinity. Donc, elle est super bien pour... si vous jouez en groupe de 4, c'est que Trinity, elle vous permet de vous donner toujours de l'énergie, de la santé, de l'armure. Elle vous donne tout. Elle est super sympathique. Donc, après, en Prime, ça change. Hein. C'est pas le même système. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus stylée. Il y a de l'or, c'est brillant, c'est super, c'est vraiment très joli. C'est ce qui change, si vous voulez, d'un Warframe normal. Hein. Donc voilà, il y en a d'autres. Hein. Si maintenant ils ont fait un chroma qui est magnifique. Le chroma, bon, c'est un beau bestiau aussi. Ils sont très très jolis. Il y a quand même pas mal de Warframe assez sympa. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Je peux vous en monter d'autres, hein, comme celui-là. Regardez, celui-là est très joli aussi. Donc ça, c'est Droid avec ses tentacules. Donc, qui peut vous donner avec des modes, c'est le cas, qui peut vous donner quand même masse de ressources. Hein. Il a une belle capacité. Donc chaque prime, dans leur nouveauté, quand ils font des mises à jour, ils rajoutent des primes. Ils vous donnent des armes qui va avec. Hein. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc là, on a des nouveautés. Hein. Warframe de base. Donc vous voyez, celui-là, il est vraiment pas mal, je trouve. Je trouve vraiment sympa. Donc ça c'est des Warframe de base normal que vous pouvez débloquer soit en faisant des quêtes ou soit par exemple soit en tuant des boss. Hein. Il y a différentes façons d'avoir des Warframe. À savoir aussi une chose, c'est que si vous voulez tous les Warframes, tout ce qu'il y a sur ce jeu, vous pouvez l'avoir sans mettre une seule thune dessus. Il faut juste s'en donner la peine de farmer. Il faut vraiment se donner à fond pour farmer et passer des heures dessus pour pouvoir débloquer
toutes ces sympathiques warframes et toutes ces armes qui peuvent être vraiment utiles pour vous. Et c'est ce qui rend ce jeu vraiment vraiment sympa. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de warframes. Donc après, il y a les ailes Ornata, c'est ce qui va vous servir à aller, comme vous voyez tout en bas à l'écran, qui va pouvoir vous donner l'opportunité d'aller sur l'espace et faire des missions aussi sympathiques que sur la Terre ou Vénus ou que ce soit n'importe quelle mission que vous avez à faire. Donc voilà, pour les Warframes, c'est le Prime. Je voulais juste vous montrer le Prime par rapport à une Warframe normale. Hein, ça change pas, il n'y a que le skin qui change. Donc, tout le monde cherche à aller chercher mieux, donc c'est toujours sympa. Fiction, donc ça c'est si vous voulez, c'est tous les ennemis que j'ai scanne. Parce qu'on peut scanner les ennemis si vous voulez avec un scan pour savoir ses faiblesses. Ça peut être vraiment pas mal. Comme ça vous permet de les étudier par rapport au mode que vous allez mettre sur vos Warframes. Donc ça aussi c'est quand même vraiment stylé. Donc ce que je vais vous faire maintenant, on va aller passer au relais. Comme ça je vous explique à peu près qu'est-ce que c'est que le relais pour les Warframes. Les relais pour les Warframes, c'est des points vraiment sympathiques parce que c'est là si vous voulez qu'on va aller chercher par exemple des loots. Parce que tous les 15 jours, il y a un marchand qui vient, qui sera signalé bien sûr. Et c'est là que ce marchand-là, si vous voulez, qui va vous permettre de vous vendre des trucs vraiment spéciaux avec l'argent des primes. Quand vous avez des pièces prime en double, vous les vendez, ça vous fait des ducats et vous pouvez acheter des accessoires en marchant. Donc là, il ne sera pas là parce qu'il est parti. Ce week-end, il était là, il n'est plus là. Bon, voilà. Il est parti, pas grave, tant pis pour moi. J'ai pas eu le temps d'acheter ce qu'il avait à me proposer. Il faudra malheureusement que j'attende 15 jours pour pouvoir acheter ce qu'il me propose, bien sûr. Donc voilà, on arrive au relais. Donc, ça, les relais, c'est super sympa parce qu'on peut tout faire au relais. Hein. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire sur le relais. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est super sympa. On peut croiser d'autres warframes, peut-être même faire des recrues. Parce qu'à une époque, si vous voulez, c'est ici que je faisais masse de recrues. C'est au relais, hein. Vous voyez, c'est super sympa. Ça va, mon pote, tiens, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais là? T'es toujours là, toi, tu fous rien, tu te fais chier. Hein. Mais c'est pas grave, pitié. Alors, attends, on avance, on y va. Vous voyez, donc. Là, c'est le point de respawn hein, pour tous les Warframes. Hein. Vous arrivez avec votre vaisseau, hop, bing, vous le mettez là. Moi, le mien, il est là-bas, on le voit bien. Et vous partez. Donc, au relais, à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Hein. C'est là la base. Hein. C'est là le point le plus intéressant. Salut, mon pote, tiens, ça fait plaisir. Une connaissance. Voilà, tu passes la porte, bing, hop. Voilà, c'est un couloir. Peut-être qu'il te scanne pour voir si t'as pas quelque chose voilà, de bizarre. Ça va? Ils sont tous pareils ici. Mais ils sont tous gentils, ils disent rien. Faut pas chier. Donc voilà, là, une belle statuette de Reno pour commencer. Donc, vous verrez dans d'autres relais, il y a d'autres statues. Comme le relais de la Terre, je pense qu'il est totalement différent. Je le trouve même plus sympa que le relais d'ici de Vénus. Hein, voilà, vous pouvez. Bon, il y a un jour et 3 heures. Donc, ça, c'est une mission qu'il faut faire. Parce qu'il faut défendre certains relais. Ici, vous avez les tableaux de base. Pour justement vendre tout ce que vous avez looté en prime en double. Donc, si vous voyez par exemple ici, vous avez par exemple des pièces prime qui est en double. Et vous dites, tiens, pourquoi pas le vendre avec de l'argent pour avoir des ducats. Donc, les ducats, c'est en haut à droite de votre écran. Donc, vous avez la monnaie du jeu. Les platinium, moi j'en ai pas, hein, parce que j'ai pas investi d'argent dessus, j'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Et vous avez les ducats. Donc les ducats, cet argent-là va vous permettre justement d'acheter ce que le marchand, ce fameux marchand que vous avez parlé, qui vient tous les 15 jours, le vendredi en général, pour vous vendre des trucs sympas. Voilà. Donc vous faites, vous appuyez sur le bouton et vous prenez ce que vous voulez pour vendre. Voilà, tout simplement. Alors là, on va monter là-haut. Hop là, alors on monte là, on vient ici. Attendez, ouais, alors ici, alors donnez-moi 2 petites minutes s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, j'ai un truc à faire vite fait. Voilà, ok, ça c'est bon. Je vais regarder juste si ça raccorde, ça raccorde bien. Ok, donc là on a tous ces couloirs là, c'est les couloirs pour les syndicats. Parce que quand vous arriverez à votre palier 2 ou 3, si je ne me trompe pas, vous avez des syndicats à prendre. Ces syndicats vous donnera des missions supplémentaires.
Et ces syndicats sont super sympathiques. Moi, c'est le voile rouge. Hein. Celui-là, c'est le mien. Je le connais. Ça, mon pote. Allez, fais voir ce que t'as. Donc, les syndicats, vous en prenez deux ou plus. Ça va. Mais moi, je vous conseille deux syndicats parce qu'après, c'est trop dur à gérer. Et donc, ces syndicats, plus vous faites des missions pour eux, et plus ils vous donnent de renommée. Et vous pouvez, grâce aux renommées, débloquer tout ce qui est ici. Donc, des modes spéciales, des armes. Vous voyez, des armes super sympathiques aussi à débloquer. Vous avez même des petits skins à la fin si vous arrivez à débloquer tout ce qu'il faut. Et vous avez quand même pas mal de trucs pour votre vaisseau. Vous voyez, bon voilà, attendez, là, vous avez des trucs ici, là, des trucs pour le vaisseau, des posters qui peuvent être sympas à mettre sur le vaisseau. Donc ça peut être super sympathique. Voilà. Donc voilà pour les syndicats. Il faudra faire des sacrifices bien sûr hein, pour ça que les syndicats, si vous voulez évoluer avec eux. Voilà, il y en a plusieurs, je vais pas vous les montrer tous. Il y a Warframe, ça mon pote. Et voilà. Bon, il y a beaucoup de Warframe ici qui se mettent en pause. Hein. Peut-être qu'ils viennent ici boire le café, on sait pas. Donc ici, vous avez aussi un syndicat pour le conclave. Qu'est-ce que c'est que le conclave? À savoir une chose, Warframe, c'est du PvE, mais aussi du PvP. Et si vous voulez faire du PvP, la meilleure façon, c'est de faire du conclave. Donc ici, vous avez des offres, les modes. Parce que ici, pour faire du conclave, c'est pas les mêmes modes qu'on a quand on va jouer, par exemple, à faire du farm. Ça n'a rien à voir. Vous avez des modes bien spécifiques. Vous avez des modes ici, tous ces modes-là, c'est pour le conclave, hein. À pas confondre, si vous allez faire du conclave, donc du PVP, il faut plus vous allez farmer, plus vous allez vous combattre, et puis vous allez débloquer des bons modes, hein, des bons modes pour casser les fesses à vos adversaires. Hein. Donc après, il y a aussi des renommées, tout ça, il faut voyez ça pas. Hein. Ça va, mon pote, tu vois rien, ça va, t'as pas besoin de regarder, de toute façon, je suis moche. Allez, vous descendez, et ça, c'est super sympa, comme vous voyez, c'est super sympathique. Donc après, qu'est-ce que... ah ouais, une chose. Voilà, vous avez... Alors, une fois que... Ça, c'est le PVP, je vous montre. Vous venez ici. Donc ici, ça vous permet de... Si vous voulez partir directement du relais à une mission. N'importe laquelle. Ce que vous voulez. Donc c'est pas intéressant. Ils se mettent bien, ces mecs-là. Et on va passer au premier étage. Donc, voilà. On monte au premier étage. Comme vous voyez, il y a d'autres Warframes, ils sont tous là. Hein. De toute façon, c'est un relais pour tout le monde. Hein. Donc vous venez ici, on va aller voir. Tiens, on va aller voir. Non, c'est pas voir. Je me rappelle plus de son nom. Il est tellement moche. Ah ouais, c'est ce gars-là. Là. Bon, lui, il est là pour vendre des accessoires. Si vous voulez pas aller directement dans votre marché dans le vaisseau, venez ici. Vous voyez ce qu'il peut vous vendre. Parce que lui, il fait des réducs. Donc, moi, je trouve pas trop le, voilà, le, je vois pas le moyen. Je suis pas de venir ici pour avoir quelques réductions, parce que si vous faites attention dans votre vaisseau, dans le marché, ils vous donnent directement les réductions. Donc, après, si vous êtes au relais et puis vous voulez acheter une arme buffet, vous pouvez aller le voir. Quoi. Ouais. Donc ici, alors ça, c'est très important de venir ici parce que c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, de passer vos niveaux. Hein. Et puis lui, il va vous permettre aussi de vous passer quelques trucs. Bon, ça c'est compliqué, je vais pas vous parler de ça tout de suite, on va passer à pourquoi je suis venu ici justement dans cette pièce là, c'est pour vos niveaux, vos paliers. Donc ici ça vous permet de passer vos paliers, d'évoluer, voilà. Il y a là le premier palier 1, palier 2, etc, etc, plus vous allez XP, plus vous serez obligé de passer vos paliers. Donc soit quand vous venez ici, vous vous entraînez avant de passer le palier, ou soit si vous vous sentez vraiment chaud et vous vous dites ouais c'est facile, je déglingue tout, et ben tu déglingues tout, tu passes tes paliers et voilà, t'es content. Hop, là tu descends. Tu descends, voilà, ça fait plaisir. Donc t'es là, tu te barres, voilà. Je vais montrer vraiment qu'est-ce que vous pouvez faire ici en haut. Voilà, le vendeur. Tout ça. Bon, ça sert à ça, les relais en quelque sorte. Sans plus. Sinon, peut-être que si vous voyez croiser des Warframe, vous envoyez un message au pote et vous dites, hey, voilà, je vois que t'as pas de plan. Que je te recrute, ça peut être sympa comme ça. Voilà, vous pouvez évoluer votre clan comme j'ai fait à une époque. Je faisais que ça. Il y a des moments, je venais que relais et je parlais avec plein de monde. Et c'est comme ça que j'ai fait masse de recrues. Voilà, non, ça c'est ce qu'il s'agit des relais. Hein, voilà, un syndicat. Voilà, passer des niveaux quand il y a le marchand, ça peut être sympa. Et voilà, allez, hop là, on s'en va. On peut quitter directement par le menu. Hein. Voilà, quitter le relais Vesper, mais je préfère, on peut aller au vaisseau. Un peu plus de réalisme, vous voyez. Hop, vous faites quitter le relais, vous êtes parti, hop, vous repartez chez vous, et puis c'est tout, point barre. Hein. On a quand même une petite cinématique sympa, parce que vous repartez dans votre vaisseau. Voilà.
C'est sympa, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympathique. Le jeu il est super cool, vous allez voir, franchement. Il y en a qui s'accrochent, il y en a qui s'accrochent moins. Peut-être qu'il y en a qui trouvent un peu ça compliqué. Bon, après, s'il y a quelqu'un qui vous explique bien, peut-être mieux que moi, je sais pas. Ça peut être sympa. Donc, on va relancer une mission, tant qu'à faire, vu qu'on est là. On va relancer une petite mission. Donc, ah oui, à savoir une chose aussi, bon voilà, vous avez votre poste de relique derrière, parce que c'est là où vous avez toutes vos reliques. Toutes les reliques que vous allez choper, elles sont toutes ici. Donc, il y a des reliques de bas de gamme, des moyennes, des un peu mieux, et des ceux qui sont en or. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup en or, parce qu'il faut vraiment farmer les reliques pour pouvoir en avoir. Plus vous allez farmer des reliques, plus vous allez en avoir, plus vous avez plus de chances d'avoir du bon loot en prime. Hein. Donc après, vous avez tous ces reliques. Si vous voulez vous les améliorer, vous cliquez dessus, et vous voyez en bas, ici, vous avez de quoi les améliorer. Donc je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse plus tard, de savoir comment améliorer vos reliques, etc. etc. Hein. Là, je vous montre à peu près là où sont vos reliques, ce que vous pouvez faire avec, voilà. Donc, ah oui, derrière le vaisseau aussi, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Bon, j'ai mis des petites décorations sympas, des petites statuettes et tout ça. Et on a aussi derrière, si vous voulez, notre petit focus. Donc, moi, j'appelle ça un focus. Hein. Après, je sais pas vraiment si ça s'appelle un focus. Donc, moi, je l'appelle Abdrazak, tu vois, il est là. Là, c'est mon petit focus. Voilà, vous pouvez le prendre. Hein, et vous trimballez, vous promenez dans votre vaisseau avec, il n'y a pas de souci. Moi, je le laisse là, comme ça, il ne me casse pas les couilles, voilà. Je le laisse là, je le laisse enfermé, là, regarde, ferme ta cage, là, voilà. Peut-être qu'il va la fermer, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est sympa. Les couleurs que vous avez dans le vaisseau, vous pouvez les personnaliser aussi. Hein. Et peut-être aussi, si vous voulez, mettre des accessoires sympas. Mais, malheureusement, comme d'habitude, il faut les acheter avec des platinium. Si vous en avez, tant mieux pour vous. Faites-vous plaisir. Si vous en avez pas, tant pis pour vous. Là, c'est une pièce infestée. Donc, voilà. Si j'ai une boule ici qui s'infecte, je vais le voir. Il me l'enlève. Il n'y a pas de souci. Là, il y a une autre pièce. Je peux pas vous la montrer. Il faut faire des missions. Tout simplement. Il faut faire des missions. Ça vous permet de débloquer ben, les autres pièces du vaisseau. Moi, je ne l'avais pas fait. Il faut que je les fasse. On les fera peut-être ensemble si ça vous fait plaisir. On pourra faire des streams dessus si ça vous fait plaisir. Voilà. Si ça vous fait plaisir, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Faire partager aussi la vidéo, tant qu'à faire. Et mettez un pouce bleu si ça vous intéresse. Ça me motiverait à faire plus de vidéos. On fera peut-être d'autres vidéos sur d'autres jeux qui vont sortir éventuellement. Il n'y a pas que du Warframe. Moi, je vous montre ce jeu de base parce que je le trouve intéressant. Ça peut aussi vous plaire, hein, si jamais. Donc voilà. Donc moi vous voyez, j'ai personnalisé mon vaisseau, j'ai mis des trucs comme ça, j'ai mis des trucs sympas, j'ai mis des petites statuettes qu'on peut gagner aussi, des posters comme ça, hop, ça peut être cool, on en met là, on en met un peu partout. Donc comment personnaliser votre vaisseau? Tout simplement, vous allez ici, vous mettez sur ce panneau là, hop, hop, vous allez sur équipement, bien sûr, parce qu'on va équiper des choses, vous allez sur votre vaisseau et vous faites décorer. Donc vous allez sur décoration et là vous verrez qu'il y a énormément de trucs à décorer. Donc là je cherche le point où décorer mon vaisseau. Une fois que vous avez trouvé votre point, vous appuyez sur emplacement d'une décoration. Et là, automatiquement, vous avez toutes les décorations que vous pouvez avoir, ou que vous avez, ou que vous pouvez débloquer. Vous voyez, des trucs sympathiques comme des aspirateurs. On va appeler ça des aspirateurs Dyson. Hein, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous de kiffer. On a des plantes, on a des lits pour les cubros. Super sympa, je trouve. Donc, vous voyez, c'est toujours avec des platinium. Il faudra toujours miser des platinium pour pouvoir acheter ça. Donc, après, à vous. Vous débrouillez d'avoir des platinium, soit comme je vous dis, faites chauffer la carte bleue, ou sinon, faites de la vente avec des pièces rares, bien sûr. Donc la peine statuette, voilà, vous pouvez mettre partout. Il y a quoi faire des trucs vraiment sympas, quoi, moi je trouve. Hein. Franchement, bon, vous avez des trucs un peu bizarres aussi, hein, j'avoue, mais bon, après, voilà quoi. Si vous savez, vous avez de la créativité, vous pouvez faire vraiment des trucs sympas, quoi. Franchement, moi j'ai vu mettre des mecs faire des tables, mettre des micro-ondes et tout avec des pièces comme ça, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Voilà, ça ce qui est tout ce qui est décoration. Voilà. Après, vous pouvez aussi décorer votre vaisseau. Donc, vous faites voilà, la même processus, sauf que vous mettez couleur. Voilà. Allez, on est parti pour faire une petite partie là. On va se chauffer un peu. On va faire une partie sympa. Donc, je peux prendre Hydroïde. Bon, le Prime, je l'ai pas, Hydroïde Prime. Hein, parce que. Attendez, on va déjà voir quel type de mission je vais lancer. Donc, ça sera toujours des reliques. Hein. Aujourd'hui pour cette vidéo, donc on va lancer quelques. Après, il y a plein de quêtes, il y a encore plein de trucs à voir. Je vous montrerai ça sur d'autres vidéos si ça vous intéresse. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs, franchement, des planètes super sympas.
Donc je vais là-haut dans mes panneaux de... Là, c'est toutes les quêtes qui me manquent à faire, hein, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de quêtes à faire, malheureusement, il faut que je les fasse, sinon je ne pourrais pas évoluer sur le jeu, parce que, comme je vous dis, il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, tout ça, toutes ces options-là, donc là, les syndicats. Donc là, vous avez les syndicats à faire, là, c'est des missions que les syndicats vous proposent. Plus vous faites des missions pour les syndicats, et plus vous avez des réputations, et plus vous pouvez débloquer les modes, comme je vous ai montré là-haut, sur le relais. Donc là, vous avez des missions spéciales. Donc ça, c'est une mission qui est de haut niveau. Mais pour ça, justement, faire vos quêtes. Monter vos warframes au maximum. Et ce type de mission vous permet d'avoir quand même pas mal de trucs super intéressants. Donc on va aller voir vraiment... Réellement, qu'est-ce qu'on a comme mission ici, extermination. Donc parfois il y a des missions intéressantes ou parfois il n'y a pas de mission intéressante comme vous voyez là, c'est des captures. Les captures sont pas trop intéressantes parce que ça va trop vite ou soit c'est trop chiant à faire. Voilà, moi vraiment ce que je préfère quand je fais des missions, c'est vraiment comment vous dire, c'est prendre par exemple vraiment des missions type survie etc etc hein, survie défense pour moi je trouve que c'est les meilleurs voilà donc voilà donc pour les missions attendez on va choisir une mission parce que là je regarde un truc vite fait ça vous dérange pas je suis vraiment désolé ok on va lancer une mission vite fait. Donc j'ai pas grand chose, hein. Franchement il n'y a que des captures. On peut se faire... Ah, écoutez, on va se faire une interception... Pas une interception. Attendez. On va se faire vite fait... attendez, je sais pas. Défense mobile, on l'a fait tout à l'heure, donc c'est pas intéressant de la faire. Sabotage. Bon, il y a moins en moins de choses à faire. On va faire une défense mobile, mais je vais prendre un perso qui va avec, parce que là, on va taper quand même sur du gros niveau. Hein, on va taper sur du niveau 40, 45. Donc il faut déjà un personnage bien équipé. Donc on va s'équiper. Sa défense mobile, par exemple, on va aller prendre un Frost. Il y a quand même masse de boucliers. Donc qu'est-ce qu'il fait Frost? Ses capacités, c'est défendre tout ce qui est à défendre, comme un cryopode, ou justement la défense mobile qu'on va faire, parce qu'il met une sphère de défense. Il peut aussi être attaquant, hein, lancer une invasion de boules de neige par rapport au ciel et tous les paralyser, ou peut-être même les tuer. Ça dépend de la puissance de vos pouvoirs. Hein. Donc, on va refaire une défense mobile. Donc, il va nous demander, voilà, les axis, donc des reliques. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de reliques de cette puissance-là, parce que quand on monte de haut niveau, forcément, on va demander des reliques beaucoup plus évoluées. Hein. Donc on va en mettre une, à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, je mets ce que j'ai, bon, je n'ai pas grand-chose, on va mettre cela. Déjà, ça nous permet de lancer la mission. Et on va faire du prime. Un peu de prime, ça peut être sympa. Je me rends compte que j'ai plus de son de jeu, donc il y a quelque chose qui a dû bugger, donc je suis vraiment désolé. Si au moins vous m'entendez, après c'est vrai que pour le gameplay c'est pas terrible, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Non, je peux pas vous dire. Non, désolé, je suis vraiment désolé, écoutez, vous allez, on va, après cette mission on va arrêter la vidéo de toute façon, j'espère que du moins ça vous aura plu jusqu'à maintenant. Ok. J'avais même pas remarqué, j'avais plus de son de jeu. C'est peut-être normal ou pas, je ne sais pas. Bon, je suis vraiment désolé, les amis, là, mais bon, il y a un petit problème de son. Attendez, au pire, je vais faire un truc. Bienvenue. Ah, si, je crois, ouais. Attendez, je vais me mettre sur ma bulle. Ah non, bon. Ok, c'est... Ah! Ah! Ah là, je suis mort. Bon, vous voyez, ça fait très mal, hein.
On va récupérer le Crissa. La petite clé qui va nous permettre de défendre ce qu'on a à défendre. Ok, on est parti. Alors, je suis vraiment désolé si vous n'avez pas de son. J'ai essayé de résoudre le problème. On ne peut pas trop résoudre le problème vite fait parce que là, je suis un peu emmerdé en quelque sorte. On va mettre notre bulle de protection. Voilà, ça l'a éclaté. Le mec s'est barré. Et on va défendre notre petit système. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Hop. Ah! Bon, ils font très mal, hein. Faut vraiment faire attention. Moi, je suis un peu pas attentif parce que là, j'ai. Ça m... En quelque sorte, ça m'embête énormément de pas avoir de son sur le jeu. Enfin, j'ai vraiment pas de sortie, donc voilà. Je suis vraiment désolé, les amis, de pas pouvoir vous donner ce que. Cette qualité de jeu. Ah, bon, mission échouée. Bon, c'est pas grave. Écoutez, moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, faire partager la vidéo si vraiment ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Ciao.